On va aller tester un autre jeu hein, qui s'appelle Blue. Blue, oui, comme bleu. Et où qu'il est, Blue? Il est devant vous. Oui, cet endroit est le cadre idéal pour vous parler du Tipeee The Big Game of Ski. Comment ça, vous ne participez pas encore au Tipeee The Big Game of Ski? Ah, c'est bien dommage, je vais vous demander de partir. Alors, en tout cas, on va essayer de faire un petit tour dans le setup et voir ce que donne ce jeu qui n'est pas encore sorti. C'est une preview, c'est une espèce de Metroidvania avec du loot. Ah oui, ils l'ont mis en gros sur la bande-annonce et je redoute un peu parce que moi, le loot, je m'en bats les croûtes. Ouais, ça va bien avec, je trouve, c'est pas mal. Ça, c'est WAM. Et le chien a des trucs à me dire, je suis sûr. Non, on ne renifle pas le cul des gens, Didier, je t'ai déjà dit. Derrière mon pote, il a des cornes, mais faites pas gaffe, il est cool. Alors je peux sauter, regardez. C'est très stylé, hein. Le saut est très bizarre. Il y a une gravité particulière à cet endroit, on va dire. Wish. Pas frapper, j'ai pas le droit. Ok. Et lui péter la gueule, du coup, je peux. Ok. Ah, je vais là-bas, hein. C'est là qu'il y a un bonus. Ok, je n'aime pas du tout ce saut, qui est complètement un saut de science-fiction. Donc l'autre, on va le laisser, hein. Je sais pas ce qu'il veut, mais il est perdu. Monsieur, Tonk. Oui, je suis très confus ce matin. Mais comment tu sais, tu lis dans ma tête? En fait, t'es devin, t'es pas marchand, toi. Oui, les dreams, c'est très bizarre. Dream are just reality. Je suis sûr que j'oublie un truc avec le mec, donc je retourne quand même voir les interactions possibles. Mais il est parti, il m'a quitté, il m'a abandonné. Et ce chien qui arrête pas de me suivre, que je vais réellement appeler Didier pour la peine. Allez, viens, Didier. Monsieur. Holy! Oui, le gardien veut me voir, je sais. Non, de l'argent, ce serait mieux. Ouais, alors surveillez-les bien, hein. Il y en a une qui a l'air de grandir beaucoup plus vite que les deux autres. Ce serait con qu'elle sorte du rang. Allez, on y va. En général, quand je dis allez, on y va dans un jeu, c'est pas très bon signe. C'est que déjà, je m'ennuie. Oui, je peux monter au-dessus, je rate le bonus qui était caché en dessous, bande de nouilles. Vous me prenez pour qui, un débutant? Non mais merde. Descends. Ça, il n'y a pas une inscription, une rune exceptionnelle qui va me donner un pouvoir magique. Un pouvoir de fertilité que tout le monde m'enviera jusque dans le Jura. Oula, je m'engage peut-être un peu là. J'y avais songé. Donc c'est Super Meat Boy, mais version cel shading et avec des bugs. Ok. S'il faut être précis et qu'il y a des bugs encore, ça va être bien. Ouais. Il y avait un jeu comme ça avec un mec qui montait d'une façon très très bizarre sur des obstacles improbables. Ça te dit quelque chose, le piaf? On y va! Ah ouais, ça va faire le syndrome Super Meat Boy avec Monsieur K, ça va être marrant. Pff, quelle horreur. Tout ce que je déteste, c'est parfait. Salut! Petite claque sur la fesse. Non, ah, c'est macho ça quand même. Je vais aller voir à gauche du coup. Non, parce que ça m'a pas convaincu à droite. Oui, en 2020, la droite ne me convainc toujours pas, c'est dommage. Aucun sous-entendu. Juste des réalités. Blue! Alors, pour le style, c'est pas mal. Maintenant, niveau maniabilité, c'est vraiment très étrange. Hein. C'est tôt pour annoncer la couleur, mais... Je suis un peu inquiet, je dois avouer. J'ai pris un bonus, on m'a pas indiqué ce que c'était. En tout cas, d'après la musique... Nous n'allons subir aucun stress pendant ce parcours. Non, aucun. Tu es bien, tu es détendu. Tu vas avoir envie de me donner ton argent.
Et pour cela, il y a le Tipeee The Big Game Oski. Oui. Je vais voir là. Ouais. Oh, les petits lapins, chafouing. Rentrer, explorer. Non, c'est du décor décoratif. En fait, c'est truc en 2022, les gens. C'est incroyable. Et on peut pas sauter dessus. Alors, j'ai rien dit. J'y vais. On va aller de l'autre côté. Moi, je. Pff, aucune contrariété. Il y a même une flèche, les gars. Je veux pas dire, mais voilà. C'était juste, hein. Ouais, je sais. Et là, tu vas trouver encore un bonus. Non, des blaireaux. Bah, t'as de la chance, nous, c'est pas trop le cas. Tu veux que je te décrive? Non, t'as autre chose à foutre, je présume. Allez, on y va. Salut! Ça, c'est le vieux héros qui s'appelait Falgar. Non, mais demandez quand vous savez pas, les gens. Je suis là pour vous expliquer. Faut bien que j'ai une utilité dans ces streams. À part faire le boulet. Oh mon dieu, ça se complique. C'est important les bruitages TBG, je vous le rappelle les gens. Sans bruitage, cette émission, elle tourne au vinaigre. Hop, 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 j'ai merdassé. Hop, 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 hop. Comment ça, monsieur K arrive à merder dans les premières épreuves? C'est bon signe? Ouais, je sais. Je m'applique pourtant. J'y mets de la bonne volonté. Et je ne peux m'empêcher de rigoler un peu aussi. Allez, 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 elle est bonne, coupée. Maurice, Maurice, attends. T'as pas d'argent de toute façon, donc dégage. Ok, je voulais juste discuter avec le mec, moi je suis un mec cool. Et ça non plus dans ton quoi? J'ai de l'argent maintenant. Oui, mais pas assez. Et toujours pas assez. Adieu, bande cruelle. Alors, on va essayer de passer à droite du coup, vu qu'ici il y a que des couillons. Non, je te parle plus, toi, tu me plais pas. Cette mise en place est un petit peu particulière, on va dire. Et on a du mal à prendre ça comme une ouverture de bras qui nous invite à... Toi, je sens que t'as envie de me parler. On finira après. Salut, Blue. Merci d'être venu. Ouais, je sens une grande force obscure qui vient de... la forêt. Alors, mon apprenti, est-ce que t'aimerais en baver, faire de la varap, devoir t'accrocher contre des murs, tirer des flèches et peut-être mourir plein de fois? Ouais. Allez, on va faire ça, hein. Ça gagne combien? Non, parce que je suis intéressé, moi. On m'a dit, il faut travailler plus. Et du coup, j'ai dit, ça veut dire je vais gagner plus. Et on a vu ce qui s'est passé, quoi. Donc maintenant, tu parles de monnaie d'abord, et après, je fais peut-être le job. Non, mais c'est pas assez payé, ton truc. On dirait un truc de Pôle emploi, quoi. Hihi. Ich. Ich. Méchant, le poteau. C'est bon? Oui, bah c'est ce qu'on vient de faire, hein, Poupoule. Ich, ich, ich. D'accord, c'est la théorie des trois ich. Ah, mais j'ai ma mana, c'est donc ça. Et j'ai le personnage à cornes qui est toujours en bas, donc je dois pouvoir swapper deux personnages. Oui, swapper, échanger. Je réalise ma mana. Tchouf. Ah, ça fait du bien. Ah, t'as raison, mec, j'ai adoré. Ok. Ok, et ça paye con. C'est toujours la même histoire. Les mecs, ils vous font faire le boulot, mais ils parlent jamais de thunes quand c'est le moment, quoi. Puis après, je vais revenir, il va me dire « Ah, bah, t'as pas enregistré ta course sur l'appli Uber, je te paye pas. » On la connaît, ta blague, couillon. Ça, c'est une rune pour... C'est écrit, hein, pourtant, mais j'y arrive pas, là. P-
pour m'équiper de ce petit bouclier qui me permettra d'éviter des projectiles d'après ce piaf un peu naïf. Ok. Théorie, pratique, passer dessous. Ouf. Et pour passer dessous, tu devrais appuyer sur cette gâchette, ce serait bien. Mais c'est génial le piaf que tu me racontes, j'adore. Je sens qu'on va me demander de l'argent encore. Pourquoi je parle tout le temps d'argent dans ce stream? Parce qu'on me fait bosser pour rien, j'en ai marre, quoi. Bon, je vous rappelle que vous avez le Tipeee... Hein, quoi? Une map? Mais monsieur est trop généreux. Un Metroidvania avec une map, c'est quand même la classe au-dessus de ce qu'on a déjà pu voir chez d'autres. Et en plus, elle est d'une limpidité très South Park. La map par mon fils de 4 ans. Ok. Ah, Pain, t'as encore un bel avenir, je pense. On y va. Non, je bougerai pas sur cette map. J'ai pas envie de la regarder, elle est pas belle. Berk, tu la gardes ta map. À d'autres. Attention, on va pas te piquer. Ouais, bah, on tente quand même. Blou blou blou, beaucoup de longueur pour cette mise en place, alors j'espère que ça va changer, que ça va être mieux après. Et qu'on aura autre chose que de la musique à la con, pour meubler, parce que pour l'instant, c'est pas l'action qui va nous encombrer apparemment. Hop hop hop! Oui, hop hop hop, c'est important. La musique s'excite un peu beaucoup ou c'est moi là? Je vais voir si j'ai pas un petit bounce. Ouais, un petit buns. Non, le petit buns, tu l'aurais eu au-dessus, tête de... Ah là 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 là. Je vous laisse la musique un petit braille, parce que c'est, je voudrais pas être le seul à en profiter. Là, je sais pas du tout où je vais sauter, mais je vais y aller. Hein. Franco. Yalla. J'ai bien fait de venir ici, regardez. C'est une vraie maison en dur. Mais je peux pas rentrer dedans parce que je sais pas rentrer dans une maison. Il n'y a pas de porte. Des gens, ils font des maisons sans porte dans ce jeu. On aura tout vu, vraiment. Allez, je me suicide, c'est mieux. J'y avais cru. Hein. Bon, est-ce que je le dis? Non, je l'ai déjà fait pour le jeu qui était testé précédemment et qui a eu à subir pas mal de mon courroux parce qu'il était pas terrible. Et là, on est dans la zone du pas terrible. Gros, ça te dit de te friter un peu? C'est quoi mes touches déjà, hein? Roulade. Quish, 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 trois fois. Voilà, on y va. Gros, reviens, j'ai retrouvé mes coups. Ah, roulade, trop tard. Ah, c'est un peu Elden Ring, hein. Non, mieux. Et voilà. Il aime pas les déplacements rapides, lui, ça se voit. Comment ça, ma comparaison avec Elden Ring était complètement pas à propos? Ouais, non, mais je vais pas revendre mon équipement, j'ai pas grand-chose, moi. Je tiens à rappeler que Elden Ring, c'est de la gnognotte. C'est juste un jeu qui a un rythme particulier. C'est un Devil May Cry, mais au ralenti. Eh hey gros, j'ai raison. Hein, j'ai raison. Allez, réfléchis, tu vas voir, tu vas me dire que j'ai raison. Alors, David McRae, c'est quand même mieux. Ouais, je vois que t'aimes pas bien Elden Ring, toi. Et je me demande si ça te dirait de jouer à un jeu qui a plus d'action, genre Tetris ou... Allez, il va me faire une blague. On y va. Comment ça, monsieur K, tu ne traduis pas correctement ce qui est affiché à l'écran? Et alors, qu'est-ce que je m'en fous? Je vais le défoncer, je vais le défoncer, regardez-moi ça, je l'ai pas... Je leur ai dit qu'il fallait pas me chercher, pas aujourd'hui. Même avec des couleurs pastel. Je te défonce, toi! Mais je suis avec toi, arrête! J'ai un panda! Bah, ta gueule! On parle? Ouais, on parle. Hé, hey, c'est dangereux par ici! Tous les gobelins sont devenus fous. Tu devrais pas y aller seul. Tu me prêtes ton panda?
Bah, un petit tour en panda, ça fait longtemps. Bah, les sièges sont un peu tape-cul, mais ça roule bien. J'ai pas fait exprès, je suis pas désolé. Ok, on va l'invoquer. Mais pas tout de suite, faut que j'aille faire un truc. Hé, panda, j'ai peur. Pour descendre, tu descends. Oui, je sais. Attention, la mort. Ouais, la mort. Que voulait-il dire par D-E-A-T-H? D-E-A-T-H. Commodile? Non. Eh, tu déconnes pas, t'as la mort en dessous. Hein. C'était limite. Hein. À croire que c'est fait exprès? Non, mais c'est de la folie, ce truc. Quoi? Gros, ouais, c'est pareil que gros, quoi. Ah, prends-toi du panda, tiens. Bien joué, ma panda. Allez, rentre à la maison. Je te mets une claque sur la fesse. Non, tu veux venir avec moi? Putain, tu te traînes. Arrive, arrive, arrive. Vite, vite. Pff, j'ai pété le boule de mon panda. Viens, gros. Ah. Lui, il tape une fois, c'est peinard. Bon, après, il est pas très doué pour la varap, apparemment, mais c'est un panda. Faudrait peut-être pas trop lui en demander, c'est pas Mario, quoi. Démerde-toi, le panda, j'ai autre chose à foutre, moi. Ah, comme on l'a bien saqué. Mais par derrière, en traître, en fourbe. Tout mon talent, quoi, tout mon art. Je veux les sous. Ça passe. Occupe-toi du gros, là-haut. Viens là, panda. Viens. Pandi panda. Bien attaché, Chantal. Bim. Moi, je suis là. Moi, je suis là. Non, je suis là-bas. Mais que t'es con, c'est pas possible, bonhomme. Tiens, mange du panda. C'est moi qui ai fait tout le boulot, panda, je te signale. Faudrait que tu te bouges un peu le cul, quoi. Parce que là, là, ça va pas le faire. Par où on grimpe? Attends, il y a un trou là. C'était pas évident d'avoir la montée quand même. Pourquoi ne pas prendre ce bonus? Attention, il y a le bombeur fou là-bas. On va éviter les combats pas nécessaires. Hein. Panda, c'est pour toi celui-là. Vas-y, croque. Depuis que je t'ai fait voir la répète, tu comprends rien, c'est pas possible. Là, vas-y, bouffe-le. Biche, rebiche. Moi, je regarde, hein, je compte les points. C'est bien, panda, c'est bien. Brave. Oh, gentil, panda. Attends, on va monter là-haut, panda. Hop, ouais, c'est ça. It's the way. Allez, dégage toi. Hop, c'est fait. Bon, dès qu'il passe un petit peu en mode action, ce jeu commence à devenir un peu mieux quand même. C'est plus agréable. Mais il y a quand même eu un démarrage spécial. Et puis... Le... Il y a un manque de précision, voilà. C'est ce que je voulais dire. J'aurais dû prendre les sous en bas, ça aurait été bien. Je peux plus redescendre si je regarde. Patates. Oui, les patates, c'est important toujours. On en a parlé de ma paye? Non, c'est bon. Oh! Oh, le skiffy, il a fait ce gros. Oh, je l'ai allumé à la descente. Si ça, c'était pas le karaté qui a pas raté, je sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Oh, lui, on s'en fout, il est pas drôle. Hop, 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 hop. Quoi qu'il y ait une potion, hein. Moi je prendrais bien cette potion, elle me plaît. Hop. Cacapoum. Hop là. Oui, ce sera le mot du jour, cacapoum. On peut pas voir ce qu'il y a en dessous avec l'autre stick. Nya 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 nya. Et t'es là pour parler, mais préviens. La situation a l'air mort sérieux, plus sérieuse que je n'imaginais.
Des gobelins ont été infectés avec un mal étrange. Et je ferai pas un scénario original pour autant. Tu veux y aller? Ouais, King Goblin, j'ai mon truc, il va crever, t'as pas des remèdes pour lui des fois plutôt? Ah, parce que si je bute un panda, je vais me faire vraiment engueuler, non? Ouais, c'est... Panda, je suis désolé, j'ai pas trouvé de bambou, rien, tu vas crever, hein, je te dis, je vais me faire engueuler. Je sais pas où je t'enterre, c'est énorme en plus. Gardez-le, il en peut plus. Ah, reste là, j'y vais toute seule. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que je suis mort. Ah, ok. Il veut pas que je... Ouais. Ok, mais j'arrive plus à faire ma map, gros. Tu peux m'aider? Non, plus de map. No more map. You tell me that you love me while you're looking away. Ah, si vous retrouvez quel groupe c'est, vous êtes fort. Bon les gens, je crois qu'on va s'arrêter par là parce que le jeu est vraiment en train de piétiner. Le joueur encore plus. Et ce serait dommage de vous gâcher la surprise, j'imagine. Blouf. Ça va le panda, t'as l'air essoufflé. Tu veux que j'aille moins vite? Tu me dis. Hein. Je suis revenu. Je te ramène ton panda, il marche pas terrible. Tu peux me filer un autre truc, je sais pas, t'aurais pas un léopard, un tigre. Un poney. Pas même une gambasse quoi. Bon d'accord. Mais il marche pas terrible quand même ton panda, je veux dire. Allez, on se casse. Je vais arrêter ici, hein. Parce que ça fait combien de temps? Oui, il va y avoir du montage. Alors faut que je donne une conclusion sur cette preview. Ah oh, c'est vache ça. Déjà n'allez pas à droite, c'est la mort. Voilà, ça c'est. C'est fait. Ensuite, bah il est sympa. Il y a une partie plateforme qui est rigolote. Si on s'habitue à l'inertie qui est vraiment propre au jeu, un peu particulière. On est curieux de voir l'exploration parce que mine de rien les tableaux sont vastes. Bah, de toute façon c'est le principe dans les jeux comme ça. Les ennemis, c'est pas très varié pour l'instant de ce qu'on en a vu, mais rien n'empêche que ça va se renouveler, on l'espère. Les petites fonctions comme les pouvoirs en plus, ça va être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça y est, j'ai déjà fini les compliments. Donc maintenant, je vais pouvoir être méchant. Et en fait, tout ce qui me plaît pas, c'est le reste. Ça fait beaucoup de choses. Non, pas tant que ça. Mais on peut pas avoir un avis en voyant si peu pour l'instant. Et en étant coincé déjà là, d'ailleurs. Car je le rappelle, je suis coincé. Par toi, je finis ma conclusion. Non, j'ai pas le temps. Je file plus d'autographes en plus. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez l'essayer, ce Blue, de temps en temps, il y a une démo qui traîne sur les sites où on télécharge des jeux. Non, je suis pas sponsorisé, donc je ne nommerai pas Steam. Merde, oh, ça l'a encore fait. Donc maintenant, vous savez où choper la démo. Et faites-vous votre propre... Oh, ils sont pas contents, eux. Elle est peut-être pas venue, là, chérie. Viens, on passe. Non, on meurt. Ah, c'est l'heure, on meurt. Donc voilà, ma recommandation, c'est essayez-le vous-même. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, ça ne m'étonnera pas. Il n'y a pas moyen que j'aie un avis à votre place. C'est une question de manipulation, tout simplement. Blue, bientôt chez vous. Et sinon, moi, vous me trouvez au même endroit. Regardez, il y a un bouton d'abonnement. Il y a même des playlists. Ça m'avait pour des mois à tout voir.